Hey, salut tout le monde, c'est Sipti. Donc je suis désolé du retard pour l'astuce Kama, elle devait sortir juste après la nouvelle, enfin la dernière vidéo de pour la nouvelle année que j'avais fait en vitesse pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Donc j'ai eu 3-4 jours de retard je crois, parce que j'ai pas su la faire avant tout simplement. Donc voilà. Sinon, entre-temps, donc l'astuce, je vous la spotty, consiste les pers au, enfin, à récolter du personnage. Genre en masse. Le hic, c'est que ça rapporte toujours, mais entre temps ça a baissé. À mon avis, c'était en prévision du week-end double XP que ça avait assez bien monté. C'était monté à 450 000 les 100. Là, c'est 250 000. Donc c'est toujours rentable, mais un petit peu moins qu'avant. Donc peut-être que certains trouveront autre chose de plus rentable. Mais en tout cas, il n'y a pas que les personnages. Hein, regardez, il y a aussi le 30. Donc moi, je récolte ça. Ici à la tour près de la tour du comte, parce que mais je vais vous montrer un autre chemin. Donc il suffit de faire comme moi, on va le faire en boucle. Donc je vous montrerai un deuxième chemin que j'utilisais avant, mais en fait la mule est enfin le cra et la mule à Kama et la mule à pote plus équipement, enfin ça sert un peu, c'est un peu l'homme à tout faire de la team on va dire. Donc j'ai pas su rester dans au spot personnage puisque c'est assez loin des transpos, enfin quoique si j'avais les skis sur le cra à la limite, mais là je pouvais pas me permettre de rester continuellement sur la map. Donc j'ai décidé de venir ici vu que ici c'est aussi un bon spot, il suffit de passer toutes les 5 minutes. Vous aurez les personnages, je connais pas encore le délai de drop-up, mais il est pas très très long. 5-10 minutes à mon avis. Donc toutes les 5-10 minutes vous pouvez passer ici, mais sinon il y a aussi je vais vous montrer donc le deuxième endroit avec les personnages. Pour obtenir tous ces personnages, donc vous voyez c'est quasiment 2 millions de valeur. Sincèrement ça m'a mis peut-être une heure. Même pas. Parce que il suffit de. Regardez là, c'est vite fait hein, donc je sais pas, on a commencé vers à 18h13. Là, il est 18h15, on a fait le tour du truc de Clepsydre, donc pour ça il faut un Alchi niveau 100 qui a passé le Glore Céleste. Mais on va se rendre tout de suite au deuxième spot XP, je vais vous montrer le petit chemin. Donc ici c'est pas très compliqué. Pour le chemin ici, donc on arrive sur la map ici. Il y en avait déjà un quand on descend du Zap ici. Donc il y a déjà un personnage ici. Après on traverse sous le pont, ici on a deux. Voilà. Enlever le point de repère. Bon, on sait pas. Voilà. Donc on arrive ici. Donc ça, je vous le fais dans le tour que j'ai fait. Mais d'habitude, je le fais par ici. Donc je descends sur la map ici à droite. Là où il y a les PNJ. Je remonte devant le donjon. Je fais le tour. Puis je reviens ici sur la même map. Je vais à gauche. Et je redescends. Et on revient ici. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Toutes les 5-10 minutes, vous passez. Et dans le fond, vous faites vraiment pas grand-chose, hein. Et ça paye plutôt bien. Donc on va se rendre au deuxième spot pour voir un petit peu aussi. Enfin comme ça si ceux qui veulent le faire à plus bas niveau, qui ont peut-être pas forcément passé les glours, peuvent le faire aussi. Bon, donc voilà, à tout de suite. Et voilà, re tout le monde, donc je vais vous montrer vite fait le petit chemin. Après je vous donnerai un site qui permet de se le rappeler dans tous les cas. Donc avec les skis, si vous avez fait la quête Starsky et Dutch, ça prend pas beaucoup de temps de venir jusqu'ici, environ 1 minute. Donc moi j'ai marché, ça m'a pris 5 minutes. Donc c'est quand même pas très très long. Après vous êtes pas obligé de sortir de la zone comme moi aussi. Donc voilà, on va commencer le petit chemin. Tiens, bot, ça nous changera, tiens. Je sais pas s'ils sont là pour récolter quelque chose dans la forêt. Mais donc voilà, là sur la récolte aussi. On compte surtout sur les agressions de monstres, donc je sais pas si vous voyez. D'avis, si vous avez metté niveau 100, vous voyez de quoi je parle. Donc on compte surtout, enfin le reste aussi, hein, mais ça rapporte quand même beaucoup, sur les monstres qui rapportent 50, ouais, 50 dans la ressource. Donc on va faire le petit tour tranquille. On a eu un petit problème. Donc on est de retour. On va continuer notre tour. Je pense par contre avoir oublié quelque chose.
On va retourner à la map de base et on va refaire exactement le même tour parce qu'à mon avis c'est le temps de repop. Donc voilà, comme je vous avais dit, c'est environ 5-10 minutes pour la repop. Donc on va continuer à tourner, puis on ira voir combien ça nous fait en HDV. Et on ira peut-être mettre en vente. Ou alors vous utilisez ça pour vos clés, hein, puisque ça sert que aux clés les personnages. Ouais, pour les chiens, on se conserve, mais bon, je doute que ça soit vraiment utilisé pour ça. C'est essentiellement pour les clés. Donc j'aurais dû poster ça avant le week-end double XP, mais bon, j'ai pas eu le temps. En ce qui concerne mon week-end double XP, j'ai pas mal XP ma guilde, enfin, pas abusivement non plus, puisque j'ai pas trop le temps, et puis c'est un peu chiant de farmer quand on farme juste avec sa team. Donc on est bientôt niveau 115, on s'est mis à recruter un petit peu plus strict aussi, donc, ce qui permet d'avoir une meilleure ambiance, beaucoup de membres sur Skype. C'est toujours plus sympa que juste parler dans le canal guild. Donc on essaie de recruter quasiment que des joueurs avec Skype. Si ça vous intéresse, faites-moi un signe. Il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo. Parce que comme vous le savez, le tournoi arrive dans 3 jours. Je sais toujours pas quand je joue ni quel match je streamerai. Mais essayez d'être... Si vous voyez qu'il y a un match sur le serveur Will Smith, ça se passera dans la forêt à Brachnid. Hein. Là on a accès au map Gulta. Donc si vous voyez qu'il y a un match aussi, vous êtes chaud de rester un peu sur YouTube pour voir quand les matchs vont se dérouler, mais restez, vous verrez quand je serai en live, mais à mon avis, ou alors vous allez suivre directement sur le forum et vous verrez les matchs. La plupart je les streamerai, surtout avec Polygon. J'aurai peut-être d'autres personnes avec moi de temps en temps, mais pour la première, Polygon ne sera pas là. Donc voilà, vous êtes déjà prévenu. Partout lui. Donc que dire de plus. Donc voilà, là je vous montre vite fait le petit tour en vidéo. Mais je vous enverrai un lien où je tracerai le chemin dessus. Comme ça vous le verrez directement avec la carte. Ou alors je ferai un petit screenshot à la fin de la vidéo avec la carte. Et je la uploaderai sur Images ou Dynostime, enfin un truc où on peut voir les images. Comme ça, je vous mettrai le lien dans la description, vous aurez juste à aller voir le lien de l'image. Et après, vous regardez sur votre mini carte à vous. Donc on va finir notre petit tour tranquillou. Pour l'instant les caméras ça roule plutôt bien. Donc le petit bonus, je reviens au tournoi, c'est un FM où j'ai ragé et puis c'était assez drôle quand j'ai ragé, j'étais avec Patrick 2 sur Skype. Sauf qu'après, je sais pas pourquoi, quand j'ai repassé la rune, j'ai eu envie de remettre la Vita. On a perdu 30 d'over Vita au final, mais bon. Je préfère quand même pas trop prendre de risques. Pour moi, ça allait encore péter parce que cette amulette, j'ai mis je sais pas combien de temps la FM. Je pensais pas que ça serait si dur d'avoir un jet quasiment perfect. Il manque juste un dommage dans chaque élément. Et au final, je suis plutôt content. Donc là, je crois que mon tour est fini. Mais j'aurais bien ragé. Attendez, je me rappelle un peu comment ça va. Je crois que c'est encore une ou deux maps en dessous. Il y a encore eu. Parce que ça fait un petit moment que j'ai plus fait. Ouais, c'est par là. Non. Bon, je sais plus. Je vous mettrai le lien exact dans la description. Donc on va vite aller voir à Banta. Donc on va regarder à l'hôtel de vente. Donc là on aura mis concrètement une heure et demie. Là c'est estimé à 2 millions. Donc c'est sûr que c'est pas des bénéfices hyper rentables, mais franchement en une heure et demie, sans aucun investissement, rien du tout, on tire quand même pas mal profit. Il faut même pas avoir de team, de perso, il suffit juste d'avoir un alchimiste abonné et niveau 100. Donc voilà, ça se revend 200 000 les 100, donc 2000 kama unité, 857, donc on s'est fait, on s'est fait 1 714 000 en une heure et demie, je sais pas exactement, je me suis pas chronométré non plus, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, merci à tous et ciao ciao, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Si vous êtes actif sur la chaîne, vous verrez sûrement que je suis en live. Passez faire un tour,
et on se reverra à ce moment-là. Ciao, ciao! Oh les gars, vous êtes prêts? Putain, et non, mais je vais rager à fond. Allez, go. Putain! Moi, ça m'invite à sa mère la pute. Sa mère la grosse chienne, putain. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, la Vita elle va repasser. Nickel, Michel. Oui? Yes! Yes, putain! Yes! Non, oh, shit, deux, mais là. Là, on va dire c'est un bon jet, mec. Je tente l'over ou pas? 280 vita, c'est pas beaucoup, mec. Je vais pas PVP avec ça, je m'en fous. Allez hop. Yes! Yes! Oh putain. Je m'arrête là, c'est bon, 310, c'est assez. Oh putain, ça m'a pute. Allez, je vous baise, à plus.